Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour un nouvel épisode des Sims 3. Je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. Comme vous devez vous en douter, nous sommes encore une fois à l'arrivée de l'université. On n'a pas bougé d'endroit depuis la dernière fois, donc on peut directement commencer à jouer et je sais pas tout ce que j'ai à faire. Mais du coup, pour améliorer notre note, on peut voir directement. Alors déjà, attendez, il y a un truc qui brille ici. Faire un don pour une œuvre caritative. Fondation planter un arbre à un Simflouz. Ah, attendez, attendez, attendez. Faut que je choisisse ma chambre avant que tous les parasites choisissent leur chambre. J'avais oublié ça. Déjà, on va allumer toutes les lumières parce que là, ça va pas du tout. Alors, quelle chambre on choisit? Est-ce qu'on prend un roommate ou est-ce qu'on essaye de trouver une chambre solo? Alors, je pense qu'il n'y a pas de chambre solo à part celle-là. Mais je pense que ce serait plus cool d'être avec quelqu'un. Je pense que je préfère cette chambre-là. Donc, on peut définir le propriétaire du lit comme ça. Et du coup, c'est moi le propriétaire. Ça, les gars, c'est mon lit. Je suis là avec ma valise, là. Je vais aller poser ma valise là-bas. Mais du coup, on peut voir du coup qu'on peut faire un don. Ça, c'est ça, on s'en fout. On peut faire un autre don pour autre chose. Envoyer une lettre d'amour et consulter le panneau des offres d'emploi. Je pense pas qu'on aura besoin d'argent avec l'argent qu'on gagne actuellement. On est à 95 000. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu en galère en vrai. Et on a déjà un mec qui est venu nous parler. Répondre à la question et écouter. Je sais pas ce qu'il est en train de nous dire, mais bon, on va la laisser discuter. Ah bah, de toute façon, elle avait besoin de social, donc ça tombe bien. Tu vas bien parler avec lui, ce sera ton premier ami. Frimer sur son physique. Franchement, il y a deux coups. Hein. Alors oui, ce que je voulais regarder, c'est ce qu'il faut faire, du coup, pour améliorer sa note. Donc déjà, nos horaires de cours, c'est dans 23 heures qu'on commence. Et oui, du coup, on va avoir beaucoup, beaucoup de cours, en fait. D'où le fait de prendre un semestre ou deux, je crois, je sais plus. Mais du coup, on aura beaucoup de cours. Ok, donc notre emploi du temps est plein. Va falloir qu'on étudie beaucoup aussi. Donc, on peut étudier avec un manuel, un ordinateur ou un smartphone. On peut aussi passer des examens à la fin d'un trimestre, du coup. Et compétences, objets. Oh non, elle a perdu de l'amitié avec eux, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi tout le monde vient nous parler? Oh, regardez, elle. C'est la typique pom-pom girl du lycée, là, qui vient d'arriver. Ashley Kuruno. Et du coup, comment on fait pour voir les compétences qu'on doit atteindre? Les étudiants en technologie améliorent leurs performances universitaires en développant leurs compétences bricolage et logique. Travailler avec la machine, à améliorer les capacités cérébrales, les aide également à améliorer leurs performances. Alors, est-ce qu'on peut s'acheter des meubles qu'on peut mettre dans notre chambre ou pas du tout? Du coup, pour l'instant, on est juste en train de se faire des amis, tout va bien. Rencontrer un sim rebelle. Se lancer dans la carrière enquêtrice, mais jamais ta mère elle a fait ça, on a fait ça toute notre vie, c'est bon, ça suffit en fait. Et il y a la cagole qui vient nous parler. Critiquer sa famille. Ah non, c'est nous, on va la critiquer. Bah franchement, moi et Léna, on est sur la même longueur d'onde. Ça se passe déjà mal. Ah là là, elle est méchante. Alors, par contre, ah, on a un truc de meilleur élève de la classe, est-ce que je peux le mettre dans ma chambre? Je vais le mettre à côté de mon lit si c'est possible. Oui, je peux. Trop stylé, il est là mon truc, regardez comment il est stylé de fou. On a quoi d'autre? Trophée de participation au club sport. Oh mais trop bien, on a trop de trucs. On peut le mettre sur la cheminée ou pas? Ouais. Oh regardez comment il est beau. Il est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trophée de participation au club débat. Ah bah on a plein de trucs en vrai. Faut pas que j'oublie de les prendre quand on partira à l'université par contre parce qu'ils sont trop stylés, je les aime trop. Ici on a quoi? Diplôme du baccalauréat, c'est pas important. Oh, et on a la plus susceptible d'offenser autrui. Mais franchement, je suis trop fan, les gars. Je pensais que c'était juste des messages sans intérêt. Mais en fait, on les gagne vraiment, en fait, ces prix. Et il est trop beau, en plus. Oh, les gars, je suis trop heureuse. Ça, qu'est-ce que c'est? Sac à dos, fardeau, des postes abdos. Je sais pas à quoi ça sert. Et ça, c'est quoi? Machine à améliorer. Ah, donc c'est ça qu'on a eu pour les cours. Et on peut le mettre dans la chambre aussi, du coup. C'est un peu encombrant, quand même. Hein. Mais du coup, pour l'instant, je vais le mettre là. Ou alors, je vais le mettre plus de ce côté-là. Je peux pas. Je le modifierai peut-être après. Notre coloc, elle va être trop vénère contre nous. Elle a rien, elle, de son côté. Et du coup, on peut faire quoi avec ça? Amélioration des capacités cérébrales, trouver un cobaye, étudier le cerveau. Trouver un cobaye. On va observer celle de Ashley Corono, là. Vu qu'on l'aime pas, ce sera notre cobaye, cette meuf. Allez, arrête de parler avec tout le monde, c'est bon. Je crois qu'elle va avoir du mal à se faire des amis, elle. Hein. Mais pourquoi tout le monde veut nous parler? C'est incroyable. Ah, mais du coup, elle nous suit direct, en fait. Donc elle sait même pas, on l'emmène où et elle nous suit comme ça. Faire une sélection cuisine, art de rue, pêche, jardinage, guitare. On va faire photographie. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. On va faire cuisine, on va faire le premier. Comme ça on fera la suite, on s'en rappellera plus facilement. Et elle lui met vraiment cette horreur sur la tête là. Qu'est-ce que c'est en train de faire du coup? Regardez ça, ses mains de malveillante là. Et elle est là, elle sait pas trop ce qui se passe. Donc elle prend des notes, on sait pas trop ce qui se passe. Ok, c'est terminé.
Ok, super, je sais pas ça nous a fait quoi, mais du coup, bon bah c'est fait. Alors, c'est qui notre coloc du coup? On sait pas c'est qui. Et elle est encore en train de critiquer sa famille, elle la déteste, hein. Bon, on va pas être copine avec elle là. Faut qu'on améliore aussi notre compétence bricolage du coup. Donc je sais pas à l'aide de quoi on va pouvoir faire ça. Est-ce qu'on se rachèterait pas la machine là qu'on avait à la maison? Je sais pas s'il y a assez de place. Et c'est elle notre coloc? Je sais pas si c'est elle. Ou alors c'est les deux copines, les deux elles ressemblent à des cagoles. Mais du coup on va regarder en mode achat si on peut pas mettre la machine. Mais je crois qu'elle est trop grosse la machine en fait. Elle est là. Mais ouais l'établi il est trop gros. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Genre là. Ouais je peux le mettre là. Ok donc on a notre petite machine qui est là. J'aimerais bien qu'on invente quelque chose. Ah on a un cours. Ah non, aller à la journée de rencontre de l'université. Alors attendez, on va la suivre un petit peu là. En face c'est quoi? C'est un gymnase qu'il y a ici. Ah et nous on a un vélo du coup. Oh mais trop bien. Vous savez que moi je sais pas faire du vélo. Ouais je sais c'est là. Ici on a quoi? Oh regardez on a un petit resto là. Par contre ça lag. Hein. Faudrait qu'on regarde les associations d'ailleurs qu'on peut rejoindre etc. Elle va ici du coup. Bâtiment de l'association étudiante Connors. Et du coup j'imagine qu'on peut pas rentrer dedans. Ouais. Ah si on peut. Oh je suis mauvaise langue hein. On peut. Et du coup c'est quoi là ce qu'il y a par terre là? Ça a l'air dégueu. Harold Assange a invité Lena Beauregard à une fête fut imminente. Oh mais trop bien, ça commence trop bien, on va avoir plein d'amis. La journée de rencontre commence dans le bâtiment de l'association étudiante. Allez-y pour vous faire de nouveaux amis et découvrir ce que l'université a à offrir. Ok. Alors attendez, il faut que je fasse le tour un peu de tout ce qu'il y a là. Alors ici on a un pupitre. S'entraîner à parler pour dominer le monde, faire un cours magistral sur le sujet. Logique, charisme, bricolage, mais je suis trop nulle en tout ça pour faire un cours dessus. Ou annoncer une manifestation à cet endroit. Trop stylé! Ça, c'est quoi? Faire un diagramme. On peut faire des diagrammes. Élaborer une stratégie de jeu. Exposer une idée. Résoudre une équation. Créer une représentation conceptuelle. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, c'est quoi? Consulter l'emploi du temps. Lire le programme. Parler au professeur. Ok. Et elle, elle est où là? Ah, elle est là-haut. Elle est partie jouer direct. Oh, mais c'est trop bien ici! Mais j'adore, les gars. C'est trop bien là! Bon par contre ça lag énormément et je crois qu'il y a un zombie ici, je sais pas ce que c'est. Mais ah c'est elle qui fait ça. Bref, je sais pas ce que c'est ce truc. Est-ce qu'on n'irait pas se faire des amis? Qui a l'air d'être le plus cool ici? Alors attendez, est-ce que ce mec est mignon? Est-ce que ce mec est mignon? Je sais pas trop. Il fait un peu plus vieux que son âge, non? Je sais pas. J'aime pas trop. Qu'y a-t-il d'autre ici? Ouais, non. Elle a l'air vraiment nulle. Sinon, on a qui là? Chantelle. Mais il n'y a personne qui a l'air cool en fait ici là. C'est quoi ça? Faire des recherches scientifiques. Expérience de radiation. Expérience avec une herbe. Faire des recherches sur l'échantillon. Cloner à partir de l'échantillon. Expérience horticore. Mais il y a trop de choses à faire les gars là. Je vais me perdre encore. Il y a des ordinateurs ici. Ça, c'est quoi? Aventure. Science-fiction, action fantastique, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est comme un casque VR. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée, les gars. Par contre, je trouve personne de cool dans les parages. Pour l'instant, on va la laisser jouer. Et apparemment, c'est une geek, elle. Bah écoutez, il n'y a que lui qui a l'air à peu près cool. Hein, donc on va attendre qu'il sorte des toilettes. Et on ira parler avec lui. Parce que. Ah, il y a lui aussi. Lui, il a l'air cool. Je crois qu'il a l'air cool. Shane. Ouais, lui, il a l'air plus cool, lui. J'aime bien. Il fait bien université. J'aime beaucoup. Donc on va aller se présenter de manière agréable. Et les jeux rétro, j'aime beaucoup. Hein. Très joli. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Manger des bonbons? Voir un concert? Bah écoute, on vient d'arriver, on va attendre un peu. Hein. Il est où Shane? Pourquoi je peux pas parler avec lui là? Oh, il y a même de quoi faire de la peinture. Oh là là, j'aime beaucoup cet endroit. Ok, elle est enfin partie voir Shane. Et elle, je sais pas ce qu'elle a. Hein. Oh, ils se plaisent tous les deux. J'adore les Sims qui prennent l'initiative. Ouais, d'accord, on a compris. Je crois que c'est une fée, je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est pas un zombie ça. Ah, on peut monter un groupe hein, d'ailleurs. Alors, on va faire quoi? Colocataire, raconter des ragots sur la colocataire, se plaindre de son, sa colocataire. Bah non, parce qu'on la connaît pas encore. On va blaguer sur les professeurs. Où tu vas? Reste ici là. Où est-ce qu'il va lui là? Jouer à pierre, feuille, ciseaux. Et d'ailleurs, il y a la fête là bientôt, je sais pas si on y va. Elle a commencé ou pas la fête? Non, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a des nouveaux devoirs d'ailleurs? On a du Glunka Cola Light, motorologie, faire tourner votre moteur. Bon, apparemment, on peut pas aller le voir, je sais pas où il est, il m'énerve. Et je crois pas qu'on ait de nouveaux devoirs. Donc écoutez, je vais aller voir sur l'ordinateur comment on fait pour étudier. Déjà, on va bricoler un peu. Ça va nous améliorer notre bricolage, là. Et il y a quelqu'un qui nous appelle, d'ailleurs. On va répondre. La fête de Harold à laquelle est invitée Lena commence dans 1 heure. On va y aller. J'espère qu'il y aura Shane. En tout cas, belle première journée à l'université, ça me plaît. Ok, on est arrivé.
C'est dans une petite grande maison, hein. J'allais dire petite, mais très grande maison. Mais énorme maison, c'est une résidence, ça, non? Être totalement jus de fruitisé. Devenir totalement jus de fruitisé est un fantastique moyen de cacher la gêne provoquée par les comportements inappropriés lors d'une fête. Montrer à tout le monde que vous n'avez pas peur d'avoir honte. Je vais le faire. Faut qu'on obtienne l'état d'esprit totalement jus de fruitisé. Ok. Donc apparemment la fête elle est ici. Et ouais, je crois que c'est aussi c'est une maison avec plein de colocs différents, du coup, je pense. C'est pas mal ici aussi en vrai. Alors, où il est le fût? Il est là. Je l'ai vu direct, hein. Faire le poirier sur un fût avec. Est-ce que Shane il est là? Il est pas là. On va le faire avec Anne parce que je crois que c'est notre coloc. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est elle, notre coloc. Et ce serait bien qu'on soit amis avec elle si c'est notre coloc. Hein. Et d'ailleurs, lui, il voulait faire le fût, mais je crois que je les dérange tous. Ah, elle est là. C'est parti. C'est le début de la fête. On est direct dans l'ambiance. C'est bon, elle, c'est mon amie à vie. Oh là là, elle boit, elle boit. Hein. Elle boit, elle boit, elle boit. Ça s'arrête un jour ou elle continue pendant longtemps là? Elle est en train de courir à poil, ok. Ah ouais, en fait, les gens, ils sont arrivés. Bah, je vous ai dit que c'était la cagole. Les gens, ils sont arrivés et ça a direct commencé à faire la fête, mais énervé, genre. On va saluer, du coup, Anne. Elle me dérange toujours, elle. Hein. Et du coup, je pense qu'on va le refaire parce que du coup, il faut qu'on soit jus de fruitisé, là. Drôle. On va danser avec elle aussi. Danser ensemble. Ah, ça fait plaisir. Elle est en train de se faire une copine. Je vais sûrement la relooker, hein, si ça devient notre copine, je vous le dis direct. Comme ça, ce sera une badise avec nous, là. Oh là là, trop bien. On va se servir du jus de fruits après. Et on va remplir le fût aussi. Oh là là, elles sont trop mignonnes. J'aime trop. Ah, par contre, elle a grave envie de faire pipi, j'avais pas fait attention. Les Sims populaires sont un groupe social dont les membres savent particulièrement bien gérer l'équilibre entre leur vie sociale et le reste. Ok, donc là elle est en train de boire, ça va lui donner encore plus envie de faire pipi. Donc Tira faire pipi après. Et elle a faim, et quand elle boit, ça lui calme un peu la faim. Donc je sais pas s'il y a autre chose à manger quelque part là, je pense pas. Mais tout le monde est en train de courir tout nu en fait, c'est des malades. C'est le chaos total ici en fait. Bon, apparemment il n'y a rien à manger. On n'a toujours pas été jus de fruitisé, donc faut encore qu'on se fasse. Oh non, elle s'est fait une nouvelle copine. C'est nous ta copine. On va encore faire ça après. Et encore avec elle. Et Elena veut acheter l'objet table de tennis de table. Ouais, elle veut faire que des beer pong en fait. Ok, on va acheter ça. Et je pense qu'on va pas tarder à rentrer parce que déjà c'est dur d'obtenir cet état d'esprit là. Ok, donc on le refait là. J'espère que ça te suffira parce que là elle est super fatiguée, donc on va pas tarder à rentrer du tout. Alors qu'il est que 22h. Hein. On est des petites mémés nous aujourd'hui. Vous avez relevé le défi. Elena a gagné amélioration de la compétence influence. Les Sims populaires, trop stylé. Ok, bon, du coup, il est l'heure pour nous de rentrer parce qu'on est super fatigué et qu'on a faim. On a tellement de choses en commun, j'aimerais mieux vous connaître. C'est qui lui? Alors, attendez, je vais regarder, c'est quoi sa tête? C'est lui. Ouais, je sais pas. Peut-être, peut-être. De toute façon, je pense qu'elle va se faire plein de copains à l'université. Copains amour et pas amour. Hein. Ah, j'aime trop, ils ont mis des petits canapés dehors en mode c'est une maison de jeunes. Et elle repart juste frétiser en vélo. Il faudrait peut-être qu'on achète une voiture du coup parce qu'elle prend masse de temps à rentrer. Donc, je pense qu'on va lui acheter une voiture et qu'on va lui mettre dans le parking derrière là. Alors là, elle a super faim déjà, donc j'aimerais bien que tu te fasses à manger. Servir ce plat, pâte carbo la frime, allez. J'espère que tu vas pas t'endormir dessus. Et elle est stylée, hein, notre cuisine en vrai. Et je sais pas s'ils font la fête. D'ailleurs, je vais voir c'est qui notre coloc du petit, si elle est rentrée. Elle est pas rentrée, il y a personne qui dort là, c'est une blague. Ah si, il y a que lui. C'est qui ça? Ah non, c'est Ashley Corono. Regardez, elle dort même avec son rouge à lèvres, cette folle là. Donc il y a que elle, je crois, qui s'est pas fait trop d'amis. D'un côté, ça me fait de la peine et d'un côté, je suis contente qu'elle s'est pas fait d'amis. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Elles ont l'air horribles en plus, ces pâtes. Tu vas manger et tu vas dormir, hein, de toute façon. On va mettre ça au frigo, comme ça tout le monde pourra se servir. Engager une ou un domestique polyvalent. Ah ouais, mais toi, t'es devenue une pourri gâtée en fait. Déjà, je vais lui acheter une voiture parce que c'est vrai que quand même, la map, elle est super grande. Donc va falloir lui acheter une petite voiture. Est-ce que je lui achète une bête de voiture ou est-ce que genre une voiture de sport en mode je suis la riche de service? Ce serait marrant en vrai. Hein. Ce serait la meuf que tout le monde déteste. Oh, celle-là, elle est trop stylée. Elles sont à combien ces voitures? 43 000. Franchement, il y en a plein de stylées. Hein. Ça, c'est quoi ça? La Fitzgerald. Mais attendez, j'avais pas vu qu'il y avait autant de voitures. C'est dommage qu'il n'y ait pas de moto. Je pense que je vais lui prendre celle-là. Elle est trop stylée. Je lui prends elle. Ça lui va trop bien. Ça fait trop la meuf populaire en fait. Définir le propriétaire. Bah moi, hein, du coup. Oh là là, elle est trop stylée notre voiture. Je savais même pas qu'il y avait ça comme voiture. Elle est trop belle. Vous savez que ça c'est mon goal de voiture, ça. Bon, quand t'auras fini de manger, tu vas enfin dormir. Est-ce que notre coloc elle est rentrée ou pas? Ah mais il y a plein de gens dans notre chambre. C'est lui notre coloc, Léonard Shelley. Je pensais pas du tout que c'était lui. Ou alors c'est elle et il lui a pris son lit. Je sais pas. Mais du coup, nous après on va dormir en vrai. Et il est déjà 2h du mat en plus. Bah je crois que c'est vraiment lui notre coloc. Je suis un peu deg, hein. Léonard Shelley, on peut pas changer le... On va définir le propriétaire du lit et je vais mettre la meuf demain. Je sais même pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Anne Connors. C'est le même nom que l'association, son nom de famille. Je vais le faire maintenant.
Alors du coup c'est le matin, elle se réveille tout doucement là. Elle va aller faire son petit pipi, elle va aller faire sa douche. Et non, elle est encore super fatiguée, pourquoi elle se réveille maintenant? Et on a cours dans 2 heures. Va falloir qu'elle dorme un peu là, hein. Elle va faire une sieste après. Le premier cours de la journée de Léna Beauregard commence bientôt, 11 jours avant les examens finaux. Oh, on doit déjà aller au TD, on peut même pas se doucher et tout. Bon bah tu vas y aller maintenant, hein. Et tu vas travailler dur. Oh regardez, elle a un sac à dos. Oh les gars, je suis choquée, ça va trop bien avec comment elle est habillée en plus. Oh là là, je suis trop fan. Elle va y aller avec sa voiture en plus. Non mais regardez comment on est stylé les gars, sérieux. C'est trop stylé. Ça va tellement plus vite que le vélo. Ok, du coup c'est où là? C'est là. Eh mais c'est joli hein, en vrai. Regardez comment c'est beau. C'est trop joli en vrai. Ok, elle est enfin arrivée, c'est ici du coup. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller à un cours de analyse, prendre un cours de jardinage, prendre un cours de logique, prendre un cours d'invention, prendre un cours de sciences, aller au département des sciences, service des dons, devenir cobaye. Devenir cobaye, c'est pour faire quoi? Cobaye pour la médecine, cobaye pour la science, mais ça va pas ou quoi? Et du coup, c'est là qu'on voit la note, c'est vrai. Donc là, on est vraiment au milieu. On a fini le cours, du coup, elle veut s'entraîner aux échecs, mais non, en fait, tu vas rentrer parce que là, ça va pas trop. Mais elle a recours dans 2 heures, donc je sais pas si on rentre. Ah non, elle doit direct aller au TD, mince. Ah, ça va être des longues journées dures pour elle, hein. Elle va pas bien, la pauvre, hein. Ça va pas trop, là. Ok, est-ce qu'elle a encore cours après? Ouais, dans 2 heures, mais c'est horrible. Elle va avoir des grosses journées de ouf. Oh là là, en plus, j'aurais dû prendre des douches en boîte de Irina. J'y ai même pas pensé. Bah écoutez, elle va souffrir, hein. Donc là, elle va aller à son autre TD, elle va faire effort normal, du coup. Qu'est-ce qu'elle veut faire, là? Donner de l'argent pour nuire à une œuvre caritative. Bah on a l'argent pour, on peut le faire, hein. Oh là là, elle va s'endormir en cours, c'est sûr. Déjà, on a bien fait de prendre la voiture parce qu'avec le vélo, c'était vraiment long. Et là, tu vas rentrer à la maison, on a cours dans 22 heures. Oh là là, si tous les jours ça va être comme ça va être horrible, hein. Et on va d'abord manger parce que du coup, elle est pas bien. Mais je sais pas si elle va s'endormir entre-temps, hein. C'est dangereux de prendre de la voiture dans ces conditions, hein. Mais elle est trop mignonne, même en puant, elle est trop mignonne avec son petit sac, là. Oh là là, elle s'endort. La pauvre. C'est dans ces moments-là que la douche en boîte et la nourriture déshydratée, c'est utile en vrai. Beaucoup plus que dans les tombeaux, hein. Et après, elle va dormir direct, hein. Par contre, demain, elle aura un divertissement horrible, du coup. Et je vais peut-être lui acheter un meilleur lit, hein, d'ailleurs. Parce que du coup, c'est peut-être ça qui fait que son sommeil, il est un peu pourri. C'est vraiment une gosse de riche, hein. C'est pas possible, ça. Alors, le plus cher, c'est celui-là, mais c'est un tombeau, donc je vais pas acheter ça. Celui-là, c'est énergie 8, donc on va prendre celui-là, je pense. Et voilà. Et du coup, c'est l'heure pour tout le monde de dormir, je pense, hein. Du coup, c'est qui dort avec nous maintenant? C'est Anne ou pas? Ouais, c'est Anne, Dieu merci. Parce que Léonard, ça va 2 secondes, hein. Félicitations Léna, après cette trait d'autre science pour terminer le défi de compétences avenant, stylé. D'ailleurs, elle a beaucoup de points de compétences, je sais pas si on lui achète quelque chose. Je pense que je vais lui prendre sommeil en transe méditative déjà parce que ça va nous faciliter la vie de fou. Ok, elle est en forme, du coup, j'aimerais bien qu'elle s'amuse un peu avant de partir. Donc je pense qu'elle va aller jouer à un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut jouer avec quelqu'un? Jouer en ligne avec Shane. On peut jouer avec Shane. Pourquoi elle complote avec elle là? Je veux pas que tu parles avec elle. Je veux que t'ailles t'amuser s'il te plaît, t'as pas grave le temps. Bon tant pis, elle va jouer toute seule. Le premier cours de la journée de Léna Beauregard commence bientôt, 10 jours avant les examens finaux. Oh mais la pression en fait, ils vont nous répéter ça tous les jours là. En plus on a cours dans 10 heures, ils nous disent que c'est bientôt. Ce serait bien que tu manges hein, d'ailleurs toi. Est-ce que tu peux pas manger devant la télé? Y a plus rien à manger, c'est une blague. Bon, bah tu vas devoir faire à manger. Des gaufres. Oh, je sens que ça va être l'enfer en fait d'avoir pris autant de cours d'un coup. Et en plus on baisse en notes quand on s'entraîne pas à faire quelque chose par rapport aux cours. Du coup ça va être compliqué les gars. Non c'est bon, tu nettoies pas, on s'en fout. Quelqu'un va le faire. Et ensuite j'aimerais bien voir si ça là, ça fait du divertissement. Bon déjà niveau besoin, elle est bien. Et oui ça va, ça nous fait du divertissement. Et du coup est-ce que ça nous augmente la note? Oui, parfait. Ok, j'ai trouvé le moyen parfait de faire en sorte qu'elle s'amuse et qu'en même temps elle apprenne. J'espère juste qu'elle va pas brûler par contre, parce que quand on a brûlé à la maison, Irina elle nous a aidés, mais ici je sais pas comment ça va se passer. Ok, donc elle s'amuse bien, mais ça monte pas non plus tellement vite, hein. Parce que là elle a cours dans 4 heures. Oh là là, ça me met la pression les gars. Félicitations, Léna vient d'améliorer sa compétence invention au niveau 3. Il y a tellement d'idées flottant dans la tête de Léna qu'il est difficile de savoir par où commencer. Il est temps de viser plus haut, comme par exemple des inventions fonctionnelles. Allez à l'établi et voyez ce que va inventer Léna. Ok. On a le niveau 2 de la compétence bricolage, ça c'est cool. Et on a fini d'inventer un truc qui est super joli, j'adore. Léna a découvert comment fabriquer cette nouvelle invention force centripède. Trop stylé. Ok, bah tu vas refaire un truc, hein, s'il te plaît. Et nous, on va aller mettre tes jolies trouvailles. Bah on va se mettre un nouveau meuble, hein, tiens. Il va faire quoi, lui? Parce que là, il est dans ma chambre, en fait. Mais on va poser un meuble, une surface, voilà. Je vais mettre ça pour voir si je peux mettre ma petite invention dessus. Et il est vraiment en train de bricoler sur ma machine, là. C'est un ouf, lui. Mais il fait quoi? Il est en train de l'améliorer ou... J'espère qu'il est pas en train de me le saboter, hein. Là, t'es pris en flagrant délit, Jacob Salaman. Mais du coup, oui, il est où mon petit objet que j'ai fabriqué? Il est là. Il est beau. Il est trop beau.
Je sais pas à quoi ça sert par contre. On a cours dans 2 heures donc je pense qu'elle va partir bientôt là. Visiter cet endroit au BD de Bob. C'est quoi ça? Oh non, Harold il a encore fait une fête là. En plus c'est lui qui nous a dragués. Une fête autour d'un feu imminente. Mais il a pas cours lui en fait. Ça nous a bien amélioré notre note par contre. On est venu ici pour faire quoi? Parce que normalement on a cours là. On est en cours là? Améliorer la compétence invention. Si tu veux, ouais. Oh, c'est quoi les distributeurs là? Acheter du soda, des friandises, secouer le distributeur, donner un coup. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Je comprends pas. Là, on est censé être en cours là. Se disputer, mais arrête de disputer avec tout le monde aussi. Et ça améliore mes compétences en plus d'être là, je comprends pas. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut étudier, hein, donc on va le faire. Je sais pas, apparemment on est en cours, donc je sais pas. Ah, mais regardez-le, lui, il est trop mignon. On dirait un petit enfant. Shannon Harkers. Il a une toute petite tête. Bon bah du coup on améliore nos notes, hein, c'est cool. Est-ce qu'on peut bricoler d'ailleurs sur un ordinateur? Oui on peut. Qu'elle est en train de le faire là, ça va devenir une pro de l'informatique. Donc là on est vraiment en cours en fait. Et on a cours dans 14 heures. Ok. Bon bah ça va, la journée d'aujourd'hui était plutôt tranquille. Vu qu'il y a la fête bientôt, j'aimerais bien que t'ailles direct aux toilettes et que tu te laves beaucoup les mains. Se laver à l'éponge, bah voilà très bien. Ok, niveau 3 de la compétence bricolage. Et du coup la fête elle a commencé ou pas là? On n'a pas eu d'appel. Enfin, on a eu un appel, mais j'ai pas répondu, donc je sais pas si elle va y aller ou pas. Bon, je pense qu'on va pas y aller de toute façon. Elle est fatiguée et tout. En vrai, c'est mieux qu'on rentre. Et puis, j'ai pas eu de retour du mec. Et du coup, les gars, nous, je pense qu'on peut se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.